En direct de mon immense terrasse parisienne, de plus en plus immense d'ailleurs. Et ouais, c'est l'été là, c'est le printemps, c'est l'heure du rosé. Et un rosé tout simple, tout savoureux, tout élégant, tout provençal. C'est le rosé du Château de San, la cuvée 1603 1603. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que le Château de San, qui est une magnifique propriété du sud du Luberon, elle a été créée en 1603. Voilà. Et ce rosé, bah, il est tout simple. C'est un rosé de plaisir. C'est un rosé qu'on a envie de boire autour de la piscine. Mais là, la piscine, elle n'est pas vraiment garantie. Ou sur une terrasse comme celle-là. Mais il a quand même tout de même un petit secret. Et un secret qui fait du bien au rosé. À ce type de rosé pâle et clair. Son secret, c'est son encépagement. En fait, le principal cépage de ce rosé, c'est du grenache, ce magnifique cépage de raisin rouge qui a tant de succès à Châteauneuf et dans tout le sud de la France. Mais il y a deux cépages blancs qui le complètent, l'uni blanc et le vermentino. Et moi, j'ai toujours pensé que ceux qui avaient raison, c'est les champenois, qui font des grands rosés avec un peu de blanc, un peu de cépage blanc, parce que les cépages blancs, bah, c'est naturellement fait pour être frais, pour avoir une vraie acidité. Quand c'est mûr, ça a de l'acidité, alors que les cépages rouges, bah, il faut toujours essayer de les récolter pas trop tard, parce que sinon ils ont perdu toute leur acidité, et si on les récolte trop tôt, bah, ils sont trop verts. Le cépage blanc, sa nature, c'est d'être pâle, frais, élégant, fruité, et bien c'est exactement ce que ça donne à ce vin-là. Alors, les spécialistes évidemment trouveront ce qu'on appelle les arômes thiolés, c'est-à-dire un peu de notes de pamplemousse, mais il y a aussi beaucoup de fruits comme de la pêche de vigne un peu. Et puis en bouche, c'est léger, c'est élégant, il n'y a pas du tout ces notes amylliques, c'est-à-dire de rouge à lèvres ou de vernis à ongles qu'on avait dans beaucoup de rosés autrefois. Là, c'est un vin très naturel, très, très sain, tout à fait savoureux. Voilà, le vin de temps en temps, c'est pas compliqué, c'est juste du plaisir. Et ce vin, je vous garantis qu'il en donne beaucoup. Alors, à la vôtre, et puis on peut attendre le déconfinement avec.